Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit thème qui compte beaucoup pour moi également, qui est accepter que les gens font de leur mieux. Alors ouais, ça c'est un thème dont on ne parle pas trop, un thème qui est souvent sujet à discussion, même à dispute. Je voulais vraiment vous en parler là pour éviter que ça vous arrive, bien sûr. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on va parler? Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de l'habitude, de ce que les gens font et de ce qu'il faudrait faire. Donc souvent, ben, les gens se plaignent, disent « Ouais, mais lui, il n'a pas fait ça assez bien, il fait pas de son mieux, il aurait pu faire mieux. » Attendez, arrêtez de vous plaindre, déjà, il l'a fait. Je pense par exemple à l'histoire où l'homme met le verre dans l'évier au lieu de le mettre dans le lave-vaisselle. Mais ok, c'est pas top, il aurait pu le mettre dans le lave-vaisselle pour être au top. Mais il l'a mis dans l'évier, c'est quand même mieux que de le laisser traîner sur la table. Ok? C'est toujours mieux. Pareil pour lorsqu'on fait un marathon ou une course, on dit « Ouais, mais t'aurais pu faire mieux. » Alors oui, probablement, s'il a déjà fait mieux, il peut faire mieux. Mais là, au moment, il a fait de son mieux. C'était comme ça. Au moment, il avait peut-être un peu trop mangé, il avait peut-être pas assez dormi ou pas assez bu. Au moment, il a fait de son mieux. Et ça, c'est hyper important que vous l'acceptiez dans vos relations amicales, professionnelles et personnelles. C'est quelque chose d'hyper important. Les gens, vous avez toujours des gens qui feront les choses comme ça parce qu'ils n'en ont pas envie. Ces personnes-là, les gardez pas dans votre entourage, ça sert à rien. Elles ne vous feront pas avancer. Bien au contraire, elles vont vous ralentir. Focalisez-vous plutôt sur les personnes qui sont motivées, qui font de leur mieux réellement, parce qu'elles y mettent du cœur. Ne les jugez. Donc, maintenant qu'on a établi à peu près le cadre dans lequel on se situe, je vais vous faire part d'une expérience personnelle qui m'a beaucoup touchée. Je travaille à la base en restauration, donc la restauration, je parle de la cuisine, aller manger au restaurant, pas de la restauration de monuments, hein, attention aux deux. Et donc en fait, souvent, il y a une concurrence, un désaccord entre la salle et la cuisine. En salle, on dit que les cuisiniers de toute façon ne font rien, et la cuisine trouve que les serveurs ne font rien non plus, qu'ils sont bons à rien, que ce sont simplement des porteurs d'assiettes. Eh oui, la raison de ce problème est que l'un et l'autre ont toujours vécu leur situation à eux et ont été entraînés comme ça depuis toujours. Quand vous êtes au lycée, quand vous faites un bac pro service ou un bac pro cuisine, vous recevez aussi ces schémas-là, ces pensées-là. Il est important de couper ces schémas-là parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer dans votre vie. Bien au contraire. Une meilleure entente dans toute l'équipe, une solidarité et l'entreprise avance beaucoup mieux. Vous êtes plus motivé quand vous partez, quand vous rejoignez votre travail. Quand vous arrivez au travail le matin, vous savez pourquoi vous êtes là, vous êtes heureux de venir travailler et ça c'est hyper important. Donc les petites clés pour ça, c'est accepter que chacun fait de son mieux. Comprendre que de toute façon, on ne peut pas remplacer l'autre. Que lui, il a son histoire. On ne peut pas se mettre dans la vie des personnes à leur place. On ne peut pas prendre les baskets de l'autre. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez un jour échanger votre travail? Ce serait top si vous pouvez le faire. Il y a des entreprises qui le font. J'ai eu cette immense chance de le faire également lors de mon BTS, de passer en cuisine, d'expérimenter, de cuisiner avec les cuisiniers. Et de me dire, oh putain, mais en fait, ils font tout ça dans une journée. Ils ont tout ça à gérer. Mais c'est énorme. Ok, ben dis donc, ben ok, ça marche. Dans ces cas-là, on va voir comment on peut s'améliorer, s'aider différemment. Et après, en revenant en salle, ben je me suis dit, ok, donc là, ben eux, effectivement, ils ne voient pas une grosse partie de tout ce qu'on fait parce que nous, notre travail se situe majoritairement en salle. Alors oui, effectivement, le seul lien qu'on va avoir avec les cuisiniers, ça va être de leur demander des plats, de les prévenir des allergies et de récupérer les assiettes pour les emmener à table. Les cuisiniers ne vont pas voir tout le travail que nous, on a en salle, d'accueillir le client, de l'installer, de lui donner les menus, de prendre la commande, d'amener l'eau, le vin, le servir les plats, tout ça. Ça, le cuisinier, il ne le voit pas, il n'en a pas conscience. Et Thomas, une personne qui était avec moi dans la même formation, quand la personne est passée en salle, il s'est rendu compte, il a fait « Oh, mais vous faites tout ça aussi !»« Ben ouais, c'est vrai,
je comprends mieux pourquoi souvent les cuisiniers disent bah ouais, vous avez rien d'autre à faire ou quoi, vous fuyez en salle. Alors qu'on fuit pas en salle, on est en train de se prendre le jus comme vous. C'est le coup de chaud, c'est le coup de feu comme vous. Et ça, ça a été un long sujet de discussion. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, si vous le pouvez dans votre entreprise, c'est d'échanger les postes. Changer de poste. Déjà, ça vous permettra d'apprendre plus de choses, vous vous sentirez plus épanoui au travail, et également, vous rendrez compte vraiment de ce que fait l'autre. Alors, vous vous en rendrez compte à quoi ? 50, 80% maximum. Vous ne ferez jamais 100% de ce que l'autre personne fait parce qu'elle a l'habitude, parce qu'elle a l'expérience pour le faire. Mais au moins, vous aurez une idée de ça et ce sera sans doute plus facile pour vous de la respecter. Mais dans tous les cas, respectez les personnes pour ce qu'elles font. Et comprenez qu'elles font de leur mieux. Même vous, vous faites de votre mieux. Même vous, vous vous sentez mal quand votre patron vous dit « t'as pas fait de ton mieux ». Alors que putain, ce projet, vous y avez passé des heures dessus, vous vous êtes couché tard, vous n'avez pas pris le temps de voir vos enfants. Et votre patron, il vous dit « t'as pas fait de ton mieux, t'as pas tout donné ». Vous vous sentez comment dans ces cas-là? Mal. Vous vous dites « putain, j'ai niqué ça pour rien, quoi ». J'ai passé du temps là-dessus pour rien, quoi. Enfin, il comprend pas que j'ai quand même, que j'ai donné toute mon énergie, que j'ai mis tout mon cœur. Prenez-en conscience. Posez-vous un instant et dites-vous, ok, là, c'est comme ça. Il a fait de son mieux. Discutez-en avec la personne. Ayez son point de vue. Laissez-la parler. C'est hyper important. On a deux oreilles, une bouche. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'une oreille toute seule, ça aurait fait moche ? Non. On a deux oreilles pour écouter et une bouche pour parler. On doit écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et ça, c'est très important. Faites attention à votre entourage, acceptez-le, respectez-le, ok ? Et ça ira mieux pour vous. Vous aurez une meilleure relation avec votre famille, meilleure relation avec vos amis. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et faites de votre mieux et acceptez que le mieux chez certains n'est peut-être que bien chez vous. Acceptez ça. Bisous à tous, bonne journée.